Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est encore et toujours moi, Maman Granor, votre humble servicatrice, la dernière, Maman Allé. T'es bien. C'est la saison des pluies en Afrique, au Gabon, à Libreville. Et déjà beaucoup de plaintes partout, à gauche, à droite. Maman Granor, il y a la boue. Maman Granor, il n'y a pas la route. Maman Granor, maman. Vous voulez que je fasse quoi? Est-ce que ça me regarde? Et que moi-même, j'ai déjà perdu 3 talons aiguilles. Les talons que ma fille Marie m'a envoyés depuis le Sénégal, ça s'est gaspillé à cause de la boue. Et de Mobadia. Faites comme moi. Je suis obligé de marcher avec les bottes. Je marche avec les bottes. Hein. Faites comme moi. Tout le monde n'avait qu'à porter les bottes. Et n'enlevez plus. Marchez dans la ville avec les grosses bottes. Comme ça, quand on te voit, on connaît que c'est toi. Il n'y a pas la route. Quand on t'appelle dans un ministère, pas avec les bottes. La boue, comme ça ils vont savoir que c'est toi, il n'y a pas la route. C'est simple. Mais c'est moi qui fais quoi? La saison n'est plus là, ça s'annonce très bien. Et bon, il y a la population d'Akanda, vous êtes bien, vous n'avez pas besoin de beaucoup de trucs. C'est Akanda que j'ai vu pour la première fois. Que tu es en train de dormir et ton calcif passe devant toi comme ça. Wow. C'est la première fois que je vois ça à Akanda. Attends-nous-en la pure vérité. Akanda, c'est la seule région du Gabon où, quand c'est la saison des pluies, ils sont en innovation. Pas inondation, hein. C'est l'innovation. C'est-à-dire quoi? Ils n'ont pas besoin de taxi. Non, l'industrie, c'est quelque chose, hein, attends-nous-en. Il n'y a plus de taxi là-bas. Taxi compteur, c'est quoi? Ils ont taxi pirogue. Quand tu veux sortir de chez toi, tu sors. Tu montes, tu prends la course pour aller sur le boutiquier, taxi, pirogue, tu reviens, go, 400 euros retour, c'est simple. Et ce qui me dépasse, j'ai fait venir mon pasteur personnel, vous le connaissez, Sebago de Bagdad. Depuis le Congo, il est venu. J'ai dit à Sebago, écoutez-moi bien, j'ai dit à Sebago, je vais te loger dans un hôtel 62 étoiles à Libreville. Il dit non, je ne peux pas. Je suis tellement humble. Mets-moi dans un quartier précaire. Je vais m'habituer. J'ai dit, c'est pas quoi, tu es sûr? Il m'a dit oui. Je l'ai mis dans une de mes maisons à Cocoté, mais en même temps, je l'ai mis là-bas. La dernière pluie, là, bon, inondation sur lui. Les choses se sont gaspillées. Il dit maintenant que tout ce qu'il avait était d'une valeur de plusieurs millions. Je rembourse quoi, man? Le pauvre Congolais. Mais dès 241, vous allez m'aider à rembourser. Il est là sur mon plateau. Sebago de Bagdad, viens expliquer tes problèmes, Ngongo. Oh oui, pasteur Sebago. Eh, bonsoir. On a appris ce qui s'est passé chez toi, où j'étais logé là. Ma sœur, là où tu me vois là, je suis énervé déjà. Et qui? Là, je suis vraiment énervé. Que le Saint-Esprit seulement m'apaise un peu le cœur. Parce que l'air est grave. Pourquoi? Là, l'air est grave, ma sœur. Les dégâts matériels qu'il y a eu, c'est moi. Et... ma sœur, si vous ne remboursez pas ce que j'ai perdu, si vous ne remboursez pas, ça m'a sert, c'est qui est sûr. Non, tant toi, on va rembourser. Ça s'est passé quoi, ma? Ça s'est ma sœur, hein? Lorsque je suis chez moi, je dors. Le Seigneur m'interpelle que c'est Bago. Il y a les fuites sur toi. Quand je me réveille comme ça, je vois l'eau, ça coule en haut. Je vois l'eau, ça coule en bas. J'ai crié, Seigneur, tu as promis dans ta parole qu'il n'y aura plus de délices. Mm-hmm. Mais ce qui me fait mal, c'est que lorsque l'eau est rentrée, les dégâts que ça a causé, c'est moi qui est inestimable. Je sais que si vous ne me remboursez pas ça, si l'État ne me rembourse pas l'argent là. Non, pose le cœur, on va rembourser. Qui est à ce Bago? Ne te fâche pas. Bon, je vais te prévenir, ma soeur, que c'est la rentrée déjà. Ah. Donc, s'il n'y a pas les remboursements pour ce que j'ai perdu, tous les fonctionnaires sur mon caisse déjà. Et qui est ce Bago? On a déjà vécu ça. Ça va, on va rembourser. Parce que la chose que j'ai perdue coûte une grande valeur. Ça coûte une grande valeur, ma sœur. Combien de millions? Et qui? Ma sœur, là, on ne parle pas de millions. Et qui? Là, tu as parlé de millions. Je suis en train de parler de quelque chose, c'est les milliards. Et qui est? On parle à terme de milliards, là, tu comprends, là, ma sœur. Donc, ma sœur, il ne faut pas que tu vas faire les choses. Je comprends. Tu ne comprends pas les choses, tu ne connais pas la valeur du vêtement. Seigneur, tu as dit dans ta parole que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est ce que je vois comme ça. C'est pas bon, tu abuses. Et qui est? Tu veux dire que je t'ai amené depuis le Congo, les choses que tu as amenées, c'est des milliards. Arrête ça. On sait que tu connais ta billet, mais là, c'est trop. On s'appelle, ça peut me bionner. Ma sœur. Écoute, donne-moi seulement ce que tu as perdu. On va noter. On va voir combien ça fait. Tu as perdu quoi et quoi et Seigneur, quoi. Seigneur, ma sœur, ma croco.
Tandia. La croco. Dina, 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 la croco, c'est quoi? Qui a tué un crocodile? Qui a amené le crocodile? Bien vu, ma sœur. Quand je parle de croco, je ne fais pas les autres crocodiles. C'est pas de m'assaisir en peau de crocodile. Eh, attends, excuse-moi. Tu ne savais pas. Une chaussure en peau de crocodile. Cette chaussure, ma sœur, tu ne connais pas les fondements. C'est l'héritage. J'ai hérité ça de mon arrière-arrière-arrière-ancêtre. Il s'appelait Mokolo Moko Nalicet. C'était le premier couturier à avoir donné les calicifs et à aller Eve dans les jardins. Tu comprends, ma sœur? Je comprends. Même lorsqu'il est mort, on l'a enterré avec la cécire. Et qui est? Des décennies après, je suis monté vers le Seigneur comme ça. J'ai pris la cécire. On a même fait les bagarres. C'est le Seigneur qui nous a séparés comme ça. Tu as bagarré avec ton arrière-arrière-arrière-grand-père, comme tu dis là. Ma sœur, je t'assure que ça, ça a une valeur inestimable. Tu comprends, ma sœur? Il y a encore quoi? Il y a encore quoi? À part ta croco ou ta croco? Ma sœur, la seule chose qui me fait mal, c'est la seule croco que tu as vue là. Et qui est? Après, c'est l'héritage. Faut pas jouer avec les choses comme ça. Je n'ai pas perdu beaucoup de choses. Je dis, c'est la croco là. Seigneur, j'ai mal, j'ai mal. Ça me fait très 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 mal. Et qui est? Maintenant, la croco, elle est où? Amen, on va voir si c'est gaspillé. La croco en révision céleste. Et qui est? Depuis le paradis. Même là, tu vois, mon ancêtre, il est passé contre moi. Ah, voilà. La cécire. Lorsque j'ai vu la cécire. Mouillé, de laver, de coller. Qui est? Tu connais avec quel fil on fait ça? En fait, avec quel fil? Massi, on fait ça avec les fibres de l'équateur. Et qui est? Les fibres, c'est bien les fibres de l'équateur. Bon, Congolais, vous mentez souvent parfois. Tu t'en fies, mais attends, je te suis un peu. Ah, là, je suis énervé vraiment. Ah non. Je suis énervé. C'est qui me fait mal parce que tu ne connais pas les valeurs. Et qui est? Même là où tu es là. Tu n'as pas l'argent, tu m'as appelé ici, je suis en train de souffrir. Moi, je n'ai pas l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu es pareil que les enseignants, même avec les journalistes. Attends, tu veux dire quoi par là? Donc, tu veux dire quoi? Que moi, maman Granon, je t'amène depuis le Congo. Tu veux dire que moi, je n'ai pas l'argent. Les enseignants n'ont pas l'argent. C'est ce que tu as dit. Autant ma voix énervée. Mon oula, tu m'as compris, mon oua, tant pis pour toi-même. Depuis que tu es en train de parler, je te dis que je vais te rembourser. Tu me tiens de fausser. Je te dis que je vais te rembourser. Depuis que tu parles, tu ne parles que de ta croco, mais ta croco. J'ai noté. Il y a quoi d'autre? Il y a que la croco là qui vaut des milliards. Des milliards. Ma sœur, c'est une cécire, tu ne peux pas. Madonna, tu prends les gens pour qui? Assez bago. Tu me connais? Tu me connais? Je ne peux plus te poser la question. C'est bago. Assez bago. Essuie d'abord. Essuie le front. Essuie. Demain là où abeille, c'est bago, tu n'es pas dedans. Quitte mon bateau, sors. Mais dis à 241, vous allez dire aux gens, vous allez dire que moi je tape les gens. Mais t'en as après, non, non. C'est bien. Fermez les portes. Fermez les portes. C'est pas bon, tu ne peux pas partir. On ne te rembourse même plus. Tu as bouffé. Attends-moi là-bas.